take me. Bonjour à tous, ici Eric Coupe. Alors, on se trouve ici pour une nouvelle vidéo sur Final Fantasy XV, ici précisément le multijoueur. Bon, le multijoueur qu'on se passe pendant 10 ans, Noctis assimile le pouvoir que Bahamut lui donne quand il entre dans le cristal. Et du coup, nous, on a une lame royale, comme le Kingsglaive, hein, comme Onyx, comme on l'a vu dans le film. Voilà, quoi. Du coup, on se réveille au début du jeu, on a perdu toute notre mémoire, etc., etc. Et le but du jeu, c'est de restaurer un peu l'électricité tout autour d'Eos, qui est le monde de Final Fantasy XV. Du coup, il y a beaucoup de farm à faire. Ça me donne envie de m'y remettre, moi aussi. Il y a toutes ces quêtes à faire. Il y a plein que je n'ai pas faites. Voilà. Ouh, ça c'est un petit spoil. Allez, ça. Allez, à bientôt. C'est pas grave. Du coup, quand vous avez assez fermé, que vous avez alimenté certaines villes, vous pouvez aller tenter de finir le jeu. Et c'est ce qu'on va faire. À tout de suite. Vous pouvez faire le multijoueur entre potes, mais par contre, il n'y a pas de demande d'invitation. C'est lui qui doit vous rejoindre avec un espèce de code, etc., etc. Bref. En fait, c'est juste du farm, vous farmez, vous farmez, vous farmez, vous farmez, vous récupérez des armes, vous débloquez, enfin, vous alimentez certaines structures électriques et après, ça va, vous pouvez finir le jeu. Enfin, tentez de le finir. Au début, je suis amusé avec un pote, mais après, bof, j'ai pas eu le temps de l'attendre. J'ai failli me faire spoiler par la fin du jeu, mais bon, c'est pas grave. Moi, j'ai déjà fini une fois le jeu. Ben, je me suis dit, ah, on va mettre un peu de contenu sur ma chaîne YouTube. Du coup, je vous présente cette vidéo. Après, pour du spike, je sais pas si je fais. Faire des vidéos. Ça fait plaisir de te revoir. Tu t'es fait une sacrée réputation. C'est le bateau du roi Régis. Le prince Noctis et sa suite l'ont utilisé, eux aussi. On l'a retrouvé par hasard à la dérive, pas loin d'ici. Alors on s'est fait un devoir de le retaper. Là, ça montre le générique de fin du jeu, de la fin de multijoueur. En gros, quand vous avez le système de multijoueur, il est terminé, vous affrontez. Je sais pas si vous apprêtez à affronter les bastionnaires. Mais il se passe des trucs bizarres ces temps-ci, parmi les membres des Lames Royales. Certains disent qu'ils ont de violentes crises de migraine. Et qu'elles sont accompagnées de visions de l'île d'Angelgarde. D'après ce qu'on raconte, cette île aurait un lien profond avec la famille royale. Le pouvoir du roi qui nous revient mystérieusement, vision de l'île d'Angelgarde, et maintenant, le bateau du roi qu'on retrouve par hasard à la dérive. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est plus que du hasard. Ils ont comme l'impression que quelqu'un les appelle. On va partir, on va parler aussi du DLC de Ignis, dont le trailer est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est assez dangereux, qui nous dit pourquoi Ignis a été aveugle pendant la fin de Final Fantasy XV, qui nous a cassé les couilles, etc., etc. On va en parler après. Et là, là c'est tendu là. Thank you.
Le boss. Je vais vaincre d'une lame fragile. Le boss est Bahamut. Oh, on y va. Le boss de fin de jeu est Bahamut. Regardez, il a one shot mes camarades. Comme enfin, mes PNJ quoi. Super classe. Vient de one shot encore quelqu'un. Bien, oh. C'est tendu, c'est vraiment tendu. Écoutez la musique. Il va one shot encore des gens. Regardez-moi cette classe. De finir par 15 et beau. Moi personnellement je ne comprends pas les gens qui font tout ce jeu. Pour au moins essayer de critiquer le jeu, il faudra même avoir goûté de même le dessin de Final Fantasy 15 et certains instruments. Ça ne va pas là, ça ne ces personnes. La vue, je l'ai connu. Regardez, il vient de one shot des gens. Ok, je suis dans le mal là, je vais faire le tournoi là du coup. Viens de manger taré. Qu'est-ce qu'il y a dans le champ encore? Ok, t'as 10 000, à chaque coup t'as 10 000 encore. Il est long, hein. Oui. Je t'en fais pas fort parce que j'ai pas assez par moi. On pourrait peut-être trouver, mais au niveau c'est pas moi qui fais ça. Beaucoup plus fort que ça. Ouh là là. Ouh. C'est pas
le Bahamut qu'on connaît des autres Final Fantasy. Lui, il est énervé. Il est énervé. Il est dangereux. Il est super. Ok, il y en a un qui est KO, il y en a un qui est mort. Dites à votre pote de se calmer là maintenant. Ok, il a one shot qui. Chaque possibilité. Tu as su me prouver ta valeur. En ce jour, au nom du roi élu par le cristal, je t'absous de ton péché de trahison. La lame royale est des plus vaillantes. Ce lieu est sacré. C'est ici même qu'autrefois, l'oracle a prêté serment au foudroyeur. Et c'est ici que Noctis s'éveillera en tant que roi légitime, quand il aura acquis la grâce du draconéen. Cependant, pour accueillir le roi, il est nécessaire de protéger ce lieu de l'emprise des ténèbres. C'est afin d'accomplir ce devoir que la lame royale a été convoquée. Dire que votre personnage que vous avez créé pour le multivore de Final Fantasy XV a protégé Noctis pendant les 10 ans où il n'était pas là. En 10 ans. Bon, on va parler de Ignis. Hein, on va spoiler un peu. Nous avons vu dans le trailer que Ignis porter l'anneau. Ah, ce qui remonte à sa badassitude tout en haut. Parce qu'au début, il y avait Gladio qui était au-dessus, là. Là, quand j'ai vu cette image, j'ai dit waouh. En fait, il m'a cassé le cou, mais non, en fait,
c'était trop. Donc maintenant, pour arrêter de la suite, elle est bon, c'est pas grave. Même s'il nous a cassé le cou, ça fait un truc doux. Parce qu'il est magique. Il n'est même pas mort après avoir porté la main. Et ça, on le sait parce qu'il est toujours là. Il s'est même pas disposé. Alors que Ornix, qui est dans le film Kingsley, lui, il l'a porté à lui. Bon. Hein, on sait ce qui lui est arrivé. Hein. Il est amoureux. Il est amoureux dans une badassitude. C'était beau. Il est roi, lui aussi, il a dit je vous emmerde, prenez tellement votre pouvoir. Comme après. Je sais pas si je vais rejouer à ce multijoueur. Si, si, je vais rejouer à ce multijoueur pour tenter le Bahamut, mais encore plus hard, niveau 50, alors que niveau 29. Hein. Là, n'importe qui pouvait le tenter, il est facile pour tout le monde. Quoi. Alors que là, la quête que vous avez vue qui a failli, enfin qui vous a spoilé un tout petit peu, c'est pas grave, c'est pour les niveaux 50 quoi, alors que le jeu, enfin le power max au niveau 50, donc il faudra que je farme un peu plus que ça. Bon, je sais pas si je vous le montre en vidéo, si si je vous le montre, et aussi je vous ferai le DLC de Gnis, c'est vraiment intéressant. Bon, vous savez quoi, je crois que je vais faire tous les DLC. Pas le jeu parce que j'ai dû le refaire il y a pas très longtemps. Pouah, voilà, si vous me demandez. C'est fait assez fou pour ça. Pour battre mon record là. C'est la première fois que j'ai fait Final Fantasy XV. J'avais fini au bout de 34 heures. La deuxième fois, je l'ai fini au bout de 19 heures. Je suis là en retard là, mais c'est pas beaucoup combien de temps je finis. Sachant que le passage le plus chiant c'est entre le niveau 10 et 20. Il y a des tels que tu vas voir. Il dit c'est sûr que vous le faites. C'est que je vais faire. Peut-être pas pronto, pronto c'est chiant. Après, je sais pas ce que je vais faire. Que soit disant, ouais, on voit pas l'amour entre les petits et les mains après. Alors qu'ils pouvaient s'avouer leurs sentiments, par exemple, comment qu'ils étaient dans leur circonstance, comme ça, ils travaillaient pour eux deux, ils avaient pas besoin de dire qu'ils savaient. C'était déjà fait, les petits, ils savent qu'ils savent. C'est depuis le début, ils ont des sentiments l'un pour l'autre, ils ont plus de grands mots. Ça, c'est ça. J'ai bien aimé prendre le fil de temps en temps, c'était chiant quoi. Si vous vous formez bien, au bout de 3 jours, vous avez fini le tuyau. Et bien sûr, comme Bahamut, la forme. Une quête, il est beaucoup plus fort, donc du coup, vous pouvez le faire à 4 en multijoueur. C'est un bon peu. Du coup, ouais, quand je vois la lumière est à son comble. Va rejoindre ta patrie. L'usurpateur t'attend là-bas. Reprends le trône de tes ancêtres afin d'accomplir ton ultime devoir. Ombra. Ils m'attendent à Hammerhead. J'arrive, les gars. Votre Majesté, quel soulagement de vous revoir. Mais alors,
Vous avez défendu l'île? Et ainsi protéger le roi légitime. Noctis, le devoir t'appelle. Le sacrifice de ces hommes ne doit pas être vain. Nous nous retrouverons très bientôt. D'accord. Je vais mettre fin à tout ça. Vous avez vu? Bah oui, il sera beaucoup plus puissant. Tendu, 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 tendu. De toute façon, je crois que quand on affronte Bahamut, quand il est encore beaucoup plus puissant, je crois qu'il y a une autre cinématique. Je pense. Une cinématique cachée. Donc ouais, je veux le refaire. Il faut que je forme d'abord. High Full Power. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Lâchez un petit pouce bleu des familles, ça fait plaisir. Un petit commentaire aussi. N'oubliez pas de vous abonner pour voir la suite. Enfin, pour voir le DLC de Ignis. Peut-être la fin plus puissante que de Bahamut. Allez, sur ce, à plus tard.